Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger, évidemment plongez-vous dans le noir si possible, un casque ou des écouteurs c'est toujours plus cool pour l'immersion et... bah, kiffez, tout simplement. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait évidemment toujours plaisir. Et on est reparti avec Atreus, évidemment, et Kratos, moi-même, le papa de l'année, dans la suite de notre folle aventure. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui pourrait nous donner des réponses sur les géants et Loki? Tu parlais de Tyr, l'ancien dieu de la guerre de ce pays, qui est mort. Eh bien, pour un mort, Odin m'a semblé vraiment désireux de le cacher. Oui, il sait que Tyr peut unir les royaumes contre lui. Et puis, Tyr était le plus grand allié des géants, donc... Assez. Ok. Bon, il parle toujours autant, ça fait plaisir. Là, je pense que de mémoire, c'était ça. Aucun souci. Demande à Odin, continue. Ok. Je pense qu'il s'en va. Très bien. Il ne s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai? Une rune brisée, je prends. Oh, il y a des petites bêtes, là. On peut rien faire avec. Allez, on a récupéré un petit peu d'argent. Il y a des bêtes partout, c'est incroyable. Elles étaient pas là, ces bêtes ne me disent rien. Je m'en souviendrai, je pense. Let's go. J'espère que vous avez grave kiffé les deux premiers épisodes qui étaient juste insane. Quoi? Attention. Ok, je m'occupe de toi. Aucun souci. Mort dans le film. Ils reviennent plutôt vite d'entre les morts, n'est-ce pas? Ok, pas de soucis là-dessus. Alors, je rappelle que je suis obligé d'utiliser les lames du chaos parce qu'ils sont gelés en fait. Hein. Faut les dégeler. J'ai gelé à eux. Arme de compétence disponible, ça c'est bon ça. Ok, 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 ok. Arbre de compétences, l'arbre de compétences d'armes pour débloquer des compétences, ça c'est très très bien. Vraie question, est-ce qu'on avait ce qu'on avait débloqué avant? C'est plus possible je suppose. Maintenez triangle, ça on l'a déjà. Ah attendez, non on l'a pas, si. Si je suis censé déjà l'avoir. D'accord, je peux pas déverrouiller grand chose. Les attaques au corps à corps, la hache. Inflige des dégâts supplémentaires contre les ennemis enflammés. Viser, maintenir R1 pour charger la hache Léviathan, lancer en direction de l'ennemi à plusieurs reprises, charger la hache et générer une explosion de givre, c'était pas mal tout cela. Lors d'une esquive, ok, appuyer sur R1 pour effectuer une double attaque tournoyante, très bien. Maintenir R1 pour attirer la hache vers le sol et arracher des éclats de glace vers l'avant. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien. D'accord. Ben on va acheter. On va totalement acheter. Et est-ce qu'il me reste quelque chose à acheter ou c'est chaud? Il me reste quelque chose à acheter. Ok, tout est encore faisable. Ça, on prend. Et j'ai plus rien à acheter. Très bien. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. On peut monter Atreus et les lames du chaos. Dommage, je suis peut-être un peu trop précipité. On verra ça la prochaine fois. Ok, let's go. La prochaine fois, on s'occupera un petit peu des lames du chaos, histoire de faire plaisir à tout le monde, évidemment. Ce pilier n'était pas dans le passage la dernière fois. Hop, voilà. C'est, t'inquiète pas, je m'en occupe, Atreus. Il y est pas. Okay. Comme je le disais, Tyr était un allié des géants. Donc si nous le trouvions, il serait de notre côté. Et si quelqu'un sait qui je suis censé être, c'est bien lui. S'il est vivant... il faut qu'on le trouve. C'est évident. Ce ne sont que des si, Atreus. Qu'est-ce que tu sais? Tu verras. Très bien. Atreus, il sait beaucoup de choses, mais c'est peut-être pas con ce qu'il dit pour une fois. Très bien. Ok, parfait. Ça se passe bien mieux que ce que je pensais. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune idée de ce qu'il a trouvé, mais il dit avoir des preuves. Au point où nous en sommes, autant aller voir. Ok... qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est petit... il y a beaucoup de morts. On devrait continuer.
Bah allez, go. On va aller checker. Marteler triangle pour charger de feu les lames, évidemment. Trop tard. Brûle-les. Ok. Lista. Attention à gauche. Ok, pas mal. Attention à gauche. Ok, pas mal. Vache. Derrière toi. Ok. Vache. Ok, je prends ma part pour la première fois. Et voilà. Un projectile. Non! Ça y est, c'est la première fois que je prends ma part! Un demi-dieu qui meurt d'une flèche, et ça c'est terrible. Bien joué à eux en vrai, bien joué à eux, je vous avoue que je ne m'attendais point à cela. Il y a beaucoup de morts. On devrait comprendre. Ok, ouais, bah ça j'ai compris. Trop tard, c'est cher au début d'ailleurs. Serre-toi de tes lames! Mort. Un autre maraudeur sur la gauche. Attendez les gars, j'arrive. Hop, c'est cadeau, ça c'est du but qui régale. Hop, éclatage. Oh, j'aime bien. Un play. Ok, bien joué les gars. Ça prend tête. Cible éliminée. Ok. Éjecte-toi, projectile. Ok, super. Ah, c'est chaud, wesh. Ok, je suis mort. Lista. Elle est où l'autre, là? Allez, tu t'en occupes, moi, Atreus. Mort. Ok. Ouais, c'était showtime. En vrai, c'était showtime. Là, le jeu commence sérieusement. Ok. Elle est morte. Ok. Quoi? Très bien. Merde, je croyais que c'était ça. Ok, pas du tout. C'était... L2 plus R2, let's go, on continue mon Atreus. Qu'est-ce qu'il veut c'est montrer, bordel, c'est tellement loin. Fimbulwetter a consumé notre magie durement acquise et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître. Comme par hasard. Vache! Les dégâts qu'ils mettent! Ok, ok. Putain, ça colle, hein! Tué. Homme de l'hiver. Oui, c'est ça. Qui cela peut-il être? L'homme de l'hiver. Les runes semblent avoir été tracées par des maraudeurs, mais je ne connais pas cet homme de l'hiver. Est-ce que ce serait pas toi par hasard? Grimpons. Tout de suite. Ok. Ah, il est devenu bon à cet exercice. Mimir, c'est pas toi qui décide qui est bon, qui n'est pas bon, hein? Encore une scène de massacre. Ah, mon cou est en train de geler. Ok, j'essaye de pas utiliser mon crash tout de suite. Bam! Oh la vache! C'est tendu, Natacha, hein? Ok. Là, j'en ai vu des bains de sang. Attends, parce que là on a quelque mais chose. Mais ça fait beaucoup en une seule matinée. Non. Ok.
On y retourne. Je suis d'accord avec toi, Mimir. Là, ça commence déjà à être chaud. Aïe! Putain, j'ai eu trop peur. J'ai quoi, ça? Je me fais piétiner. La chasse. Ah oui, d'accord. Une rondeuse. Prudence. Je crois que c'est notre pénalité. Ok. Ok. Oh bien, ouais, je... mon frère. Tâche de rester mobile. Ces cornes brillent. Ces têtes sont point faibles. Ok. Oh, t'es nul, putain, Chris, tu loupes tout. Vache. Let's go. Je vais casser les couilles. Allez, 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 allez. Ok, ok, c'est pas terminé. Ok, ça c'est inesquivable. Oh non, non! Ok. Ok, là c'est pas trop dégueu. Let's go! Allez, cassage de gueule! On a aucune putain de pitié! Pardon? Ah, je vais planter avec son propre arc! Fimbulwetter, Freya, les maraudeurs Thor et Odin qui débarquent, et maintenant des rôdeuses tapis dans nos bois, on n'est plus en sécurité ici. Ok. Les gemmes d'attaque runique donnent accès à des attaques spéciales rapides et puissantes. Très bien. Pouvoir unique, ok. H. Attaque runique, morsure d'hiver, former une couche de glace autour de la hache et foncer sur une cible pour lui asséner un coup. Et ben voilà, de toute façon c'est équipé, j'ai pas trop le choix. En bloquant... Très bien. Je pense avoir compris. D'accord. Parce que ça marchait pas tout à l'heure. Ok. D'accord. Et est-ce que je peux faire comme ça? Ah, par contre, ça fusille mon bouclier. Ok, superbe. Enfin, superbe, je sais pas. Bon, on verra bien. Bouclier que Mère t'a donné. Thor l'a brisé. Mais maintenant... Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. Peut-être. Plus tard. Ok. On peut entrer par là. Oh, attends, bouge pas, petit. Qu'est-ce que c'est que ça? De la dynamite? Un nouveau parchemin. Le dieu cendreux, ça me plaît. Ok, ça me plaît. Faisons-nous ici, Atreus. Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche et leur destin sur celui de droite. Oui. Nous en avons trouvé beaucoup. Je les ai vues. Eh bien, il y en a bien plus qu'on le pensait. Ok, c'est bizarre. Il y a forcément... Ah, il y avait forcément quelque chose par ici. Ok. Un peu d'argent. Un peu d'argent pour les braves, c'est pas beaucoup. 11 pièces. Je sais pas trop ce que ça représente. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Il y a rien. Il y a rien, mis à part de très grands environnements. C'est nouveau. Mais la fresque est de l'autre côté. Pardon. Très bien. Il y a donc un arbre qui gêne. Et je peux normalement faire ça. Je devrais aider. Puis... Quelque chose a bougé sur le côté droit. Et voilà. Oh là, c'est trop stylé cette hache que tu rappelles. Ici, les effondrements sont monnaie courante. Fimbulwetter pèse sur toute chose. Même la pierre.
Comment on peut... Alors attendez, parce qu'il y a un moyen d'aller là-haut. Mais là, je l'ai pas. Il y a une sorte de porte. Je regarde, hein, peut-être que par une énigme... Une énigme des familles. Ah, attendez. Non. Et là... Oh! Il y a des bails, hein, de toute évidence. Il y a des bails. Il y a des bails et pas qu'à Dubaï. Ok. Faut vraiment être attentif et checker partout. Mais y'a rien. Ah! Oui, effectivement, les petites fraises comme ça, là. J'aime bien. Tu regardes bien. Voilà qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends. Je crois que c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est, petit? Où sommes-nous? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Ati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skoll et Ati. Ils sont libres? Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois? Les loups sont saufs. Quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois, Ati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victimes. Je ne sais pas exactement qui, mais... Quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Là, regarde! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir... Est-ce possible? Oda m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps? Tu en reviens aussi. Assez. Attends. Nous rentrons chez nous. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Ok. C'est vraiment stylé, ça, par contre. C'est où juste ici, frérot? C'est que... Là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim? Non. J'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres? Combien en as-tu visité? Eh bien... Toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent...
une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on ? Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tiré quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors, on fait quoi ? On rentre. Survivre à Fimbulwetter. Putain, c'est pas si facile à dire. Même si nous voulions partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim ? Odin a rendu impossible les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Le sol a l'air fissuré là-bas. Il y a quelque chose qui m'embête. Et ce quelque chose, c'est tous les coffres que je vois partout. C'est assez terrible. Déjà là, on a un coffre derrière. Là, hop, on va passer ici. Putain, on a un coffre derrière. On a un coffre ici aussi. C'est terrible! C'est des petites énigmes, tu vois, mais... Oh! Déjà, ça, je prends. Allez, let's go! Hop! Du cuir brut! Plus beaucoup d'argent, ça c'est cool. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'on a encore quelque chose. Et ce quelque chose est là-haut, je crois. Regardez. Quelque chose est là-haut. Mais comment on y accède? Ça, j'en ai aucune fichue idée. Déjà, on a un truc ici. Qu'est-ce qu'on a? Mais what the fuck? Faut peut-être jouer des fois avec les arbres et tout, c'est terrible. Attends, on va passer par là. On va passer par là. Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu? Je me souviens que tu t'es laissé emporter. Il nous faut être prudents. Le danger est proche. Tu vas réussir à te battre sans bouclier? Ce ne sera pas la première fois. Ok, j'ai... Très bien. Bon, déjà, on a une réponse pour un coffre. Il y a toujours un coffre qui me... Derrière, qui m'échappe. Je sais pas du tout comment on peut l'avoir. Du fer forgé. C'est très bon, ça. Oh, vous avez vu ça? Attendez. Que peut-il y avoir? Let's go. Ok. Ah. On se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Parfait. Ok, let's go! Qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites? Et on peut avoir derrière si on cherche un peu, mais... On a perdu quand même pas mal de temps, en vrai. Donc on va avancer. J'ai pas envie que vous m'en vouliez parce que pour vous, ça avance un peu trop lentement. Je peux comprendre, c'est pas grave, c'est qu'un coffre. Au pire, on pourra aller le chercher un autre jour. Et là, ça sent la bagarre, je vous le dis. Grande zone ouverte comme ça, ça sent la petite bagarre. La grosse bagarre. Ok. Voilà, c'est sûr. Ok. Ennemis à terre. Oh, les problèmes.
Même, j'ai vraiment plus de bouclier. Oh, ça a dû faire mal. Ok, c'est bon. Mon frère, tu ne peux pas parer sur ton bouclier. Ok. Ah mais en fait, j'ai vraiment pas de bouclier. Ok. Allez, éclatage de gueule. Oh, petit brisage de nuque, ça fait toujours plaisir. De bon matin. Et ben voilà, c'était un chef de maraudeur. Très bien. On est bon, on est bon, on est bon. Là, c'est de là où on vient. Et c'est de là où on part. Let's go. Ouh, on y est presque. Mon frère, un mot. Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Ah, pour une fois, il a pas tort. Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim, je suis sûr qu'on trouverait toutes sortes d'équipements. Assez. Nous irons. Vraiment ? Mais si nous ne trouvons pas Tyr, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne le regretteras pas. Il va y avoir une bagarre ici parce qu'il y a un pilier là, frérot. Ok. Il y aura peut-être une bagarre, je ne sais pas. C'est très bizarre. Ok. Vache. De retour à la casa. Atos, par ici. Ah, Sindri. Sindri. Oh, en chair et en os. Est-ce bien Atreus? Cela faisait longtemps. Ce que tu as grandi. Oui. Lar, si vous voulez bien me suivre. Brock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Allez, ouvre-moi ça. Après vous, chers amis. Survivre à Fimbulwerter, la plus propre de tous les 9 royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Kratos. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Ah. J'allais pas savoir. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes. Ce n'est pas grand-chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbulwerter et du regard d'Oda. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grisaille vide et chatoyante. C'est incroyable, Sindri. C'est bon. Il faut qu'on te parle de notre plan, d'ailleurs. Oh, intéressant. Oh, c'est beau, hein. Entrez. Entrez. Avant tout, voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas? Bon, très bien. Vos chambres sont par là, et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation? Kratos, une collation? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr? Il est vivant? Enfin, je veux dire... Quoi? Ne t'inquiète pas, je lui ai tout raconté. Vraiment tout? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un œil sur lui, à ta place. Rien de risqué, la sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen? Oui, oui, et c'est vrai, c'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hé! Pas si vite!
Comment c'est arrivé là, ça? Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est mon fils. Par les terres de Yarnsmida, que lui est-il arrivé? Il est beaucoup trop grand. Et il ressemble à... ça. C'est de ta faute. Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse? Eh, bah, ce qui est fait. Oh, mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie, tu peux me croire. Très bien, tâchons de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Et on va s'arrêter là. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus? On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. À bientôt, portez-vous bien, bye bye.